Bienvenue. Bienvenue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdamoiseaux, bonsoir. Et bienvenue en cet auditorium pour la 6e cérémonie de remise des diplômes du titre ingénieur de l'ISTOM. Pourtant, cette soirée du 21 décembre 2012, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre d'individus un peu partout sur le globe nous ont prédit la fin du monde. Et ce qui serait entre nous bien dommage, vu tout ce que nous a coûté ce cursus et qu'on est pourtant arrivé à son terme. Et pourtant, plus de 18 heures se sont déjà écoulées et nous sommes toujours là. Réunis encore une fois tous ensemble, peut-être une dernière fois, mais pour cet événement qui, après notre intégration, après notre cérémonie de parrainage, après ce superbe week-end de promo en Bretagne et surtout notre magnifique désintégration de l'année dernière, nous réunit une nouvelle fois pour ce qui va marquer l'apogée de notre vie de promotion, la remise des diplômes. Et c'est pour ça que je préfère croire en la seconde interprétation des Mayas, qui en soi n'affirmait pas forcément la fin du monde pour le 21 décembre 2012, mais du moins la fin d'une ère. Une ère qui d'après eux, s'était retrouvée avilie, s'était retrouvée obscurcie et corrompue, pour la naissance d'une nouvelle ère à partir de cette date, qui se veut pleine de promesses et de lumière. Et quel beau message pour ce groupe de jeunes gens qui, chacun à leur manière, chacun selon ses croyances, ont choisi d'œuvrer durablement pour les autres un peu partout dans le monde. Alors oui, j'ai envie d'y croire à ce message. J'ai envie de croire à ce message d'espoir pour un nouveau monde plus beau, plus juste, plus lumineux. Surtout quand je vois les jeunes gens qui sont là, qui composent cette belle troupe. Bienvenue en cette cérémonie. Bienvenue dans notre monde qui, j'en suis sûr, sera le plus beau dès le 22 décembre et le diplôme dans la poche de ces jeunes gens. Donc, pour commencer cette cérémonie, je vais inviter nos invités officiels à bien vouloir monter sur la scène en les personnes de Monsieur Éric Ducoudray, directeur de l'ISTOM, Monsieur Patrice Auguste, président du conseil d'administration, Monsieur Guy Debré, président d'ISTOM Alumni, et enfin le professeur Marcel Mazelier, notre parrain. Pendant que ces personnes s'installent, je tenais aussi à remercier tous ces gens sans qui cette cérémonie, bien sûr, mais en fait, toute notre réussite dans le monde istomien n'aurait pas été ce qu'elle était. Donc, remercier le président du conseil d'administration, M. Patrice Auguste, le conseil d'administration dans son intégralité, le président d'Istom Alumni, M. Guy Debray, ainsi que les anciens, même que quelques-uns nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous ce soir, et tous les enseignants qui ont su nous supporter durant toutes ces années, le professeur Mazoyer, le personnel de l'ISTOM, qui pourtant on a vu des vertes et pas mûres avec toutes les demandes que nous sommes venus leur apporter, nos parents, nos familles, nos amis, qui sont là aussi ce soir et qui composent en très grand nombre cet auditorium, Turcopie, qui en soi est le sponsor officieux de tout bon élève istomien, vu qu'en plus de nous faire des prix imbattables et que nous ne comprenons pas toujours, comprend mieux que nous et connaît par cœur la mise en forme de n'importe quel rapport, dossier, mémoire, qui fait que limite nous lui venons avec un texte vierge et nous en repartons avec une œuvre d'art. Enfin, je remercie la P99 qui a tenu à être là aussi en grand nombre pour nous accompagner. La P98 qui, pour leur soirée, les autres promotions, vu que nous avons des représentants des P97 et P96 parmi nous. Et enfin, toutes ces autres personnes qui ont pu permettre notre réussite possible. Sans plus tarder, voici maintenant les discours de ces grands messieurs qui ont tant de belles choses à nous dire, à commencer par Monsieur Éric Ducoudray, notre directeur. Merci Guillaume. Ravi de vous accueillir ce soir dans l'auditorium pour fêter la remise des diplômes de la promotion 98 de l'ISTOM. Je tiens tout d'abord à remercier vivement
nos officiels. Au premier titre, M. Patrice Auguste, le président du conseil d'administration, qui est lui-même un ancien élève, il se présentera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. M. Guy Debray, le président d'Istom Alumni. Donc Istom Alumni, c'est ce que vous serez d'ici quelques minutes, des anciens élèves. Et le professeur Marcel Mazoyer, qui nous a fait l'amitié d'être votre parrain il y a quelques mois maintenant, et qui nous rejoint, et nous en sommes très honorés ce soir. Merci également à tous nos invités qui nous ont rejoints ce soir, représentants du monde de l'entreprise, des collectivités territoriales, de notre conseil d'administration. Ravi d'accueillir ici également les parents, les amis de nos étudiants, et puis bien évidemment, enfin, ravi d'accueillir nos étudiants de la promo 98, 99 également. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, mon discours sera relativement bref puisqu'il s'agit simplement d'introduire une cérémonie qui se veut intéressante, brillante, surprenante aussi. Pour vous dire combien, et je le dis tous les ans, mais je le pense sincèrement, combien nous avons été heureux de partager avec vous ces 5 années, alors parfois 4, parfois 3, peut-être parfois 6. C'est ce parcours un peu initiatique, ce parcours de formation qui vous a amené, alors que vous étiez encore assez petit, à identifier une école un peu bizarre, un peu étrange, qui a néanmoins su vous séduire, peut-être plus vous que vos parents d'ailleurs, qui se sont sans doute aucun doute posé des questions, mais qui probablement après quelques années se disent qu'ils auraient bien aimé la faire cette école. Donc ravi d'avoir partagé avec vous ce parcours, ravi d'avoir pu partager aussi avec mes collègues de l'administration et du corps enseignant qui vous ont suivi, accompagné, supporté, et tout cela pour faire de vous des ingénieurs qui sont aujourd'hui, selon nous, j'en suis absolument persuadé, complètement préparés à traverser cette nouvelle ère, comme le disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire à passer un cap et à entrer, c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre vous, dans la vie professionnelle. Alors la marche n'est pas toujours facile, le monde qui nous attend, vous le savez bien, n'est pas simple, il a tendance même à se complexifier. Peut-être que nos anciens élèves tout à l'heure nous diront un petit peu quelle était la différence entre ce qu'ils ont pu connaître il y a 10 ans, quand vous êtes sortis, et ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais en tout cas, nous nous sommes extrêmement confiants dans votre capacité à relever ces défis-là. Je parlerai évidemment des grands défis que nous connaissons tous, mais aussi des défis peut-être plus micro, plus liés à des environnements locaux sur lesquels vous avez évidemment des choses à dire, parce que vous y êtes préparés. Je voudrais aussi vous dire combien nous avons été heureux de traverser cette période de 5 ans avec vous et qui nous a permis aussi, de développer l'école, de lui faire connaître des nouvelles orientations. Vous avez été, je crois, parmi les toutes premières promotions à connaître les évolutions du cursus, la mission Jeune Expert, même si ça existait un an avant vous. Les stages d'ingénieur qui étaient situés en dernière partie du cursus, les domaines d'approfondissement. Donc vous avez expérimenté aussi avec l'ISTOM et nous avons quand même l'impression qu'au final, le produit fini que vous êtes, je ne sais pas si c'est un bon terme, est totalement satisfaisant. D'ailleurs, si vous en êtes des diplômés ce soir, c'en est la preuve. Vous avez joué un rôle aussi très important, je tiens à vous le dire, au même titre que l'équipe, dans cet événement majeur que nous avons connu l'année dernière, peut-être de façon indirecte, mais quand même, qui était le renouvellement de l'habilitation du titre d'ingénieur pour les 6 années suivantes, qui est quelque chose d'extrêmement réconfortant et de valorisant pour l'école. Vous n'en mesurez peut-être pas forcément l'ampleur, mais c'est quelque chose qui rejaillira positivement sur vous, d'avoir fait vos études dans une école qui a eu, je ne vais pas dire la chance, parce que je pense que ce n'est pas une question de chance, mais qui a eu le plaisir, le bonheur de se voir habilité pour la durée maximum par la commission du titre d'ingénieur. Voilà. Donc à ce titre, je tenais aussi à vous dire merci. Je conclurai donc ce discours inaugural pour d'abord vous féliciter, même s'il va falloir attendre encore quelques dizaines de minutes avant de devenir officiellement ingénieur. J'espère que la fin du monde ne sera pas arrivée d'ici là. Et vous réitérez tous nos voeux, nos souhaits de bonne réussite, nos voeux de bonheur, et
vous redire une fois encore combien, mais là je m'avance un petit peu au nom du conseil d'administration peut-être, Patrice le dira mieux que moi, mais en tout cas d'équipe, combien nous sommes fiers ce soir de vous voir diplômés. Parents, j'espère que vous êtes tout aussi fiers que nous de les voir diplômés ce soir. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Dupoudrel.